qui font tout autour. Quatrième étape de ce voyage musical consacré à la pianiste Jeanne-Marie Darré. Aujourd'hui, un programme de musique française avec Camille Saint-Saëns, Maurice Ravel, Maurice Emmanuel et Gabriel Pierné, des enregistrements ou des concerts réalisés entre 1947 et 1959. Revenons un peu sur la jeunesse de Jeanne-Marie Darré, née, je vous le rappelle, en 1905, qui obtint très vite, très jeune, des succès tout à fait intéressants. Et ses succès lui permettront d'approcher différentes figures de la vie musicale française, y compris des légendes dont la pianiste ne se vantera jamais, contrairement à d'autres. Et elle aura pu travailler même avec ses professeurs incroyables, qui ne sont rien d'autre que par exemple Fauré, qui la guide dans les méandres de certains de ses nocturnes. Ravel, qui lui fait travailler Ondine et sa toccata avec les mots qu'il faut pour être compris par une adolescente, et même ce vieil ours qu'est Camille Saint-Saëns, qui l'accueillera à plusieurs reprises pour l'entendre dans ses 5 concertos pour piano. Et justement, ces 5 concertos pour piano de Saint-Saëns tiendront une place importante dans la carrière de Jeanne-Marie Darré. En effet, un événement primordial se déroulera un soir de mai 1926 où la jeune femme joue avec l'orchestre L'Amoureux sous la direction de Paul Paret les 5 concertos de Saint-Saëns en un seul et même concert. Imaginez ce que cela peut représenter. Sa vitalité rythmique, son abattage, sa sonorité jubilatoire, sa capacité à surmonter un tel obstacle sidérèrent le public et associe irrévocablement son nom à celui de ses pages. Elle enregistrera le 2e concerto de Saint-Saëns avec Paul Paret en 1948 et réalisera une intégrale de ses concertos en 1957 avec l'Orchestre National de la Radio-Télévision Française dirigé par Louis Forestier. Eh bien, c'était donc en avril 1957 qu'elle enregistrait, entre autres, ce concerto pour piano et orchestre numéro 5 en Fa majeur, opus 103, dit égyptien, donc de Camille Saint-Saëns, Jeanne-Marie Darré qui nous montre là qu'elle est bien cette digne représentante de l'école française de piano. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Le cinquième concerto pour piano et orchestre en fa majeur égyptien de Camille Saint-Saëns sous les doigts de Jeanne-Marie Daré, orchestre national de la radio-télévision française, direction Louis Forestier, un enregistrement en studio à Paris en avril 1957. Alors imaginez cette jeune fille qui a 21 ans en 1926 et qui enchaîne les cinq concertos de Saint-Saëns quand on en entend un. On se rend compte déjà des notes qu'il y a à faire, mais quand on se dit que les quatre autres doivent suivre derrière, c'est une véritable prouesse à la fois technique, musicale et également de mémoire. Jeanne-Marie Daré qui disait à Yvonne Baby dans un entretien « Je joue ce qui me plaît, ce que je ressens, sans hésiter. Jeanne-Marie Daré aime son métier et sa carrière a toujours été un plaisir. » Elle explique que pour elle, un concert est le seul moment où elle redevient elle-même. C'est pourquoi, sans doute, je m'adapte aussi facilement aux œuvres classiques, bien que par tempérament, j'ai voulu préférer la musique romantique. « Je ne connais pas le trac », poursuit-elle. « J'éprouve bien sûr une certaine émotion pendant l'heure qui précède le concert, mais elle est surtout due à un effort de concentration. Néanmoins, il est juste de dire qu'on ne se trouve pas toujours dans un état de grâce qui vous donne la sensation d'être porté par la musique. Cet état dépend très souvent de votre forme physique et des réactions du public. » Et quand on lui demande si elle est sensible aux réactions du public, eh bien Jeanne-Marie Daré répond « Beaucoup. Dès la première note, je sais si je tiens ou non mon public. J'aime qu'une salle réagisse, même de façon critique. » Nous la retrouvons en compagnie de Jacques Février à Paris, le 17 juin 1958, en concert. Il s'agit de la pièce de Maurice Ravel, « Ma mère loi ».
Thank you.
La Merloi de Maurice Ravel en concert avec Jacques Février et Jeanne-Marie Darré à Paris le 17 juin 1958. France Musique, 13h24, Jeanne-Marie Darré est toujours, cette fois-ci en compagnie de Maurice Maréchal, dont nous parlions il y a quelques semaines au violoncelle, à Paris, en studio, le 24 novembre 1959, interprète une sonate rarement donnée, celle de Maurice Emmanuel, pour violoncelle et piano. Thank you.
La sonate pour violoncelle et piano de Maurice Emmanuel, Maurice Maréchal au violoncelle, avec Jeanne-Marie Darry bien sûr au piano, en studio le 24 novembre 1959. Nous terminons avec Gabriel Pierney, la sonate pour violon et piano opus 36. Jeanne-Marie Darry est en compagnie de Miguel Candela au violon à Paris, en studio en 1947.
La sonate pour violon et piano opus 36 de Gabriel Pierney, interprétée par Miguel Candela au violon et Jeanne-Marie Daré au piano à Paris en studio en 1947. On retrouvera Jeanne-Marie Daré demain avec Saint-Saëns, Brahms et Liszt, et ce à 12h35 dans Cet été d'hier. Vous écoutez France Musique, il est 14h et c'est l'heure pour nous de retrouver Anne-Charlotte Raymond pour son émission Tout un programme. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour François Castan. Je trouve un petit air 15e aujourd'hui, un petit oui. Air 15e rive gauche, left voilà, bank. Pourtant je suis dans le 16e aujourd'hui pour faire cette émission, mais ouais. Non. C'est vrai, c'est un petit peu 15e là quand même. Hein. Enfin, on en reparlera demain. On en reparlera. Bon après-midi François. Bon après-midi, à demain. Programme autour de la musique anglaise du 15e siècle. Les rois d'Angleterre au 15e siècle, eh bien, il y en a toute une série, ils sont six en fait, de Henri IV, Henri avec un Y, à Henri VII, en passant par Édouard IV et Richard III, de quoi alimenter quelques pièces de Shakespeare. Pour ce qui est de la musique, eh bien, il faut remonter peut-être un petit peu avant, au 14e siècle. En fait, au 14e siècle, la musique anglaise se portait fort bien, et essentiellement une manière de faire de la musique qui est ce qu'on appelle le déchant. Le déchant, en fait, c'est le fait de prendre une voix, une mélodie, et puis à chaque note de cette mélodie, faire une autre mélodie qui va avec. Et dans le déchant, très souvent, cette mélodie se trouve en mouvement parallèle. Les deux voix sont parallèles. Ce qui fait qu'il y a une certaine harmonie qui se crée, une sensation tout à fait.